Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve à la boulangerie au pain d'hélice. Donc c'est la deuxième fois qu'on vient les visiter. On va faire une vidéo plus complète avec une belle dégustation. Allez, on va faire la visite et surtout n'oubliez pas de liker, partager et de commenter la vidéo. C'est gratuit et c'est bien. Allez, c'est parti. Monsieur Kevin, bonjour. Ça va, ça vient? Ça fait plaisir de vous voir. Bonjour, ah. Bah oui, hein, ça faisait quelques temps. Bah c'est génial. Bah oui. Je suis heureux. Re-bienvenue. Eh ben merci beaucoup, merci beaucoup. Alors donc du coup, qu'est-ce que vous pouvez nous... Ça fait combien de temps que vous avez ouvert déjà? On a fêté nous un an. Oh, à fêter. Voilà. Quand ça? Le mois dernier. Ouais. Il y a eu des petits snacks qui viennent me prendre du pain. Ouais. Des restaurants pareils qui viennent me prendre des petits pains, des pains de table, des pains sandwich. Toutes les préparations chaudes avec les plats du jour. Là, ah. On a le burger à la part. Oh, il est énorme. En plat du jour aujourd'hui, on a... Ah, le... carrément donc des plats. Eh ouais, plat du jour, tagine de poulet. D'accord, oui. Le pâteau bistou. C'est quoi ça? C'est les coca frites. C'est pour en salle toute la gamme de gâteaux. D'accord, oui. Donc là, actuellement, je suis en train de travailler sur les nouveaux produits d'été. Aujourd'hui, je vais vous faire déguster ma dernière nouveauté, la religieuse Morito. Donc là, on a toute la gamme de pain un peu spéciaux, on va dire. Aujourd'hui, on a qui varie tous les jours en fonction des boulangers, de comment ils pétrissent. De la boulangerie, c'est ça. Donc, c'est pas une brioche. C'est pas un pain, c'est pas un délice, vraiment, c'est une brioche, ni une brioche, ni un pain. C'est pas un abricot. Ah, un pain d'abricot. D'accord. Ok. Bonjour. Bonjour. Mathias, on continue. Bien la journée. J'ai pris la production pour vous recevoir. Donc toute la pâtisserie est faite ici. Enchanté. Le boulanger. Enchanté. Donc, ça c'est nos pains aux olives. Et ça, c'est nos pains aux figues. Là, le salé. Hein. On décline sous plusieurs formes, le week-end en réduit, oui. En petit, et en grosse pièce. Ah oui d'accord, en tout le temps. Pièce, ouais. Donc, le macaron sensation, le rubis que vous aviez déjà goûté, le royal, le 3 chocolats, ah oui. Tout est décliné sous toutes les tailles. Donc là c'est la dégustation à la boulangerie du pain d'hélice. Exactement, avec le pain d'hélice. Ah c'est le pain d'hélice, hein. C'est le fameux. C'est très très bon. On n'a pas l'impression quand on voit comme ça, mais en fait oui, c'est... C'est une vraie brioche. On va lui choisir le salé dans la vitrine. Donc la brioche qu'on vient de déguster, là, elle est disponible que le week-end. D'accord, oui, parce qu'il y a beaucoup de préparation. Hein, exactement. Qu'est-ce que tu prends, toi? Alors moi, il me prépare un panini végétarien avec un petit peu de mozzarella et beaucoup de légumes. Ah. Et toi, qu'est-ce que tu prends? Moi, tu me connais, je suis obligé de prendre une part de gros burgers. Attendez, ils sont trop bons. T'as vu ça? Oh, ils sont magnifiques. Comme dans nos plats du jour, hein, tous les produits qui sont dedans sont des produits frais. Alors dedans, salade, tomate, steak haché, oui. En frit, cheddar, bacon, pistou maison, tomate, légumes grillés, ah oui. Mozzarella. Oh. Nickel. Ça c'est beau, hein. Se coupe tout seul. Ah ouais. Ah tu sens la qualité là, hein. Ah ouais. Mmh. Ça sent bon. Ah, c'est à l'américaine. Ça me donne faim. Ou être matinal, j'ai mal. Oh, j'ai mal. Oh, très bon. Des impressions, hein, du panini. Le pistou donne beaucoup de goût. Et les légumes sont super bien cuits, j'adore. Ah, mais tu peux venir déjeuner ici sans aucun problème, hein. Allez, j'ai à la chantilly. Yes. C'est vraiment de l'art, la pâtisserie. Ah oui. Ton chaud encore. Oh là là, c'est impressionnant, hein. C'est très beau. Goûte. La tarte en direct live, hein, c'est voilà. Génial, hein. Elle est énorme, la tarte. Ouais, donc 20 euros la tarte. 20 euros. Ah ouais. Voilà. C'est pour 4-6 personnes. Ouais, 4-6 personnes. C'est ça, ouais. Qu'est-ce qu'il vient de faire, là, monsieur? Tu vois la tarte qu'il vient de composer devant nous? Oui. Bah, il me l'emballe et il me la donne. C'est gentil. Kevin, il l'a... Ah ouais, vraiment? On va encore faire quelque chose. Eh, merci beaucoup, Kevin. Hein. On a le macaron sensation. C'est la diplomate qu'on a dans la tarte, avec oui. Des framboises sous forme de macaron. La religieuse Morito. Religieuse Morito. Voilà. On a un sablé. Une crème citron vert et menthe, une chantilly au citron vert et un chou au rhum. Aïe 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 aïe. Vous voulez dire Kevin? Je pense que ouais, le rubis des Baou pour moi c'est une de mes meilleures créations. Baou c'est la montagne. C'est la montagne qui est un peu carrée. C'est ça exactement. Un chou Morito? C'est une religieuse. Une religieuse. Pour visiter Morito. Alors tiens, donc la religieuse. C'est beau hein. Vous savez, c'est une très très belle création. Hein. C'est très très léger.
la religieuse Morito. Hein. C'est assez original. Hein. C'est excellent. Donc là, Kevin, vous nous emmenez dans la serre où poussent les fraises, où on, avec lesquelles on a fait la tarte tout à l'heure. On peut faire de ça à l'assiette travaillée en 5 minutes. C'est impressionnant, hein. c'est magnifique. C'est fabuleux de travailler avec des produits comme ça. Tu vas prendre à emporter alors, hein. Oui, là je prends tout. Le pain, le fameux brin d'hélice, le gâteau à la fraise et des petites mignardises. Comme ça ce soir. Avec Camille. Ouais. Merci beaucoup, merci Kevin. Merci à vous, c'est vraiment un plaisir. C'est adorable, merci beaucoup. Vous venez quand vous voulez, merci. Vous accueillez les bras ouverts. Merci.